Salut à tous, je vais vous montrer des sites pour acheter des chaussures, des baskets, des sneakers, voilà. Je vais vous montrer ça. Alors le premier site que je vais vous montrer, c'est celui-là. Il est pas mal, c'est Coprom. En fin de compte, c'est un site de chaussures, ouais, sneakers, tout. Ils vendent des marques aussi, ils vendent aussi des suites suprêmes, voilà. Il y a pas mal de petites choses sympas, tout comme les Jordan 11 rétro aussi. Ça, c'est assez rare à trouver. À un bon petit prix en plus, à 280 euros, ça va pour les paires comme ça. Il y a des Adidas Yeezy Boost 350 V2 Zebra à 350 aussi. Ils vendent pas mal de petites chaussures sympas, tout. Alors, si vous recherchez des chaussures pas trop chères, vous voyez, les prix sont assez. Ça va, c'est pas trop cher pour certaines marques. En plus, ils vendent certaines paires qui sont. Assez rares comme ceux-là là, les Nike. Il y a les Zebra Boost 350 aussi, ceux-là là, à 280 euros. Moi je trouve que c'est pas excessif parce que certaines paires elles peuvent aller jusqu'à 500 ou 600 euros des fois. Voilà, hop, ils vendent les dernières aussi là, les Yeezy Boost 350 aussi là, les dernières qui sont sorties. Voilà, c'était pour montrer ce premier site. Ils vendent aussi beaucoup de tout ce qui est produit en suprême, tout. Par contre, j'ai commandé une fois, moi j'ai pas eu de problème sur ce site-là. La boîte était nickel, tout. Parce que si vous faites de la revente aussi, comme je sais qu'il y en a beaucoup qui le font maintenant, qui achètent des paires et qui revendent. Ici, il n'y a pas de problème sur ce site-là, c'est vraiment pas mal. En plus, ça va assez vite, vous recevez assez vite vos paires de chaussures, enfin si vous commandez des chaussures. Il y a des fringues, tout, des suites, il y a plein de petits accessoires aussi. Là, je vais vous montrer un autre site, c'est celui-là, qui est pas mal. Alors, je sais pas pourquoi il me demande de m'inscrire, voilà, hop, c'est Sweat News, je sais pas comment il dit ça. C'est un site, il est pas mal, et c'est vraiment sympa. Par contre, j'ai discuté avec eux sur Instagram, ils sont super sympas, tout. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, je vais vous montrer les paires qu'ils ont là, en ce moment. Voilà, on va tout vous montrer. Il y a des prix assez sympas aussi. Il y a des bonnes paires, comme là, vous voyez. Il y a les Air Jordan. Vous voyez que là, elles sont plus chères par contre. Ça dépend aussi avec les tailles, je vais vous montrer. Parce que ça dépend des tailles, souvent. Il y a des tailles qui sont plus chères plutôt. Vous voyez que sur l'autre site, c'était beaucoup moins cher. Vous voyez, après, chaque paire a son prix. Par contre, ce qui est bien là, c'est que quand vous allez sur une paire, il vous explique. Que, voilà en détail la paire, tout l'histoire de la paire, tout chaussures, basket, tu veux dire. Voilà la petite photo sympa, tout comme je vous disais. Si vous voulez leur demander des explications sur votre paire, tout, il n'y a aucun problème. En plus, vous pouvez faire de la revente aussi. Si vous avez des paires à vendre, ils peuvent les voir, tout essayer de vous les revendre. Ça, c'est pas mal aussi. Il y a des paires sympas aussi, comme celle-là, vous voyez, la paire ici, vous l'avez à 800 euros. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Il y a celle-là aussi, la Adidas 4D, qui est vraiment pas mal. Après, tout dépend des tailles, tout. Après, il faut chercher, c'est toujours pareil, il faut chercher. Il y a plusieurs sites, c'est pour ça que je veux mettre plusieurs sites, parce que chacun fait son prix. Comment dire, c'est chaque site en fin de compte. Ça, vous aurez à beau chercher. De toute façon, le but, c'est chercher la paire que vous voulez. Au meilleur prix, voilà. Moi je vous conseille ça. Et j'ai commandé aussi, sur ce site aussi, j'ai pas eu de problème. Tout la paire était nickel, tout, y a aucun souci. Voilà, il y a une paire de Nike, hein. Assez bizarre là. Voilà, hop, c'était pour montrer ce site là qui est vraiment sympa. Alors celui-là, je vous le montre. Hop, celui-là, je connais pas trop, mais à ce qui est pareil, il est assez sympa. C'est Footshoot. Voilà, si je me trompe pas. Et il y a des bonnes petites paires de chaussures aussi, bonnes petites promos. À ce qui paraît, ça c'est pas mal. Vous voyez, là déjà il y a des Pharrell Williams à des bons prix déjà. Je suis assez étonné même de voir les prix là. À 231 euros, c'est pas mal. Parce que c'est des paires de chaussures qui peuvent aller jusqu'à 500, des fois jusqu'à 1000 euros. Et là, pour cela, c'est pas mal. Je vois le prix là. Bon, c'est toujours assez cher, quand même, 231 euros. Mais déjà, pour ces paires-là, c'est déjà pas mal. Voilà, attendez, ce que je vais faire, je vais choisir une taille pour voir. Bon, si c'est pas une arnaque, des fois, je sais que c'est pas une arnaque, mais voir la taille, parce que des fois, les prix changent en fonction des tailles. Quoi. Hop, non, non, c'est ah non, c'est pas mal. Par contre, il y a des tailles qui partent. Alors, on voit que ça part assez vite. Hop, et des bonnes petites paires de chaussures là, ouais, je vois, là, c'est pas mal. Je connais pas trop bien ce site-là, mais on m'en a dit du bien. C'est pour ça que je vous le montre. Ils vendent pas mal de choses, on dirait, en paires. Pas mal de petites paires voilà, que je connais pas trop. Hop, il y en a tellement aussi. Le choix, ils font hommes, femmes, nouveautés. Ils font, je sais pas s'ils font autre chose, parce que comme je vous dis, je connais pas trop bien. Hop.
Ah ouais, ils font aussi des fringues, tout, ouais, j'avais pas vu aussi. Ouais, c'est pas mal comme site. Moi, je vous le conseille aussi, parce que les prix ont pas l'air mal, par contre, j'étais assez étonné. Ça a l'air pas mal du tout. Après, je vais vous montrer un autre site. Alors, celui-là, je le connais un peu, parce que comme j'ai commandé pas mal de choses sur Farfetch, ce site-là, il est vraiment pas mal. Il est surtout pas mal pour les promos et pour les baskets, parce qu'il y a pas mal de paires qui sont à des bons prix et assez rares. Sur ce site-là, si ça veut bien se mettre. Voilà. Il y a des. Voilà, comme je disais, il y a pas mal de paires. Voilà, il y a des paires comme ça. Voilà. Bon, les prix, c'est sûr qu'il y a des certains prix qui sont très très chers. Certaines marques sont très chères. Comme les Balenciaga, tout ça, si vous cherchez. Mais par contre, ils ont des bonnes petites promos ou des versions que j'ai pas vues ailleurs. Des Nike ou des Adidas, des fois j'étais assez étonné. Là aussi c'est pareil, si vous choisissez les tailles, en fonction des tailles, ça change des prix, toujours pareil. Mais là ils ont vraiment des bonnes paires, j'ai vu. Après il faut chercher dans le lot. Comme là, il y a une Adidas Ultra Boost Climat à 208 euros, c'est pas mal. Je trouve que c'est pas mal le prix. Parce que cette paire, je l'ai vue plus cher sur un autre site. Je vais voir la taille pour voir si c'est. Ouais. Ah vous voyez que ça change. Là c'est pas pareil. Le prix pas pareil. Voilà, ça c'était. J'avais vu que son vrai prix. Voilà. Après, si vous faites en taille du 7 ou du 6, hein, si vous connaissez vos tailles en anglais. Là, par contre, ce qui est bien sur ce site, c'est que j'ai commandé, je l'ai reçu assez vite, les commandes, tout nickel avec la boîte, tout, il n'y a aucun problème. Comme je vous disais, c'est vraiment sympa, c'est un bon site. En plus, il explique un peu tout l'histoire aussi, de la chaussure, tout. C'est vraiment un très bon site. Je sais pas pourquoi ça revient pas en arrière. Voilà. Voilà, et comme je vous disais, il y a des bonnes paires de baskets, de sneakers que j'avais jamais vu sur d'autres sites même. Alors ils ont l'air d'avoir un sacré choix. Tout. Par contre, je sais pas pourquoi, j'ai une petite astuce des fois pour avoir les chaussures pas trop chères sur ce site. Vous allez prendre l'application de Farfetch sur votre téléphone et vous mettez les chaussures qui vous plaisent et enfin qui vous plaît et en fin de compte vous aurez des petites promos et je sais pas pourquoi quand vous allez sur le site sur le PC ça ne marche pas, vous voyez pas les promos et en fin de compte vous inscrivez sur l'application du téléphone et vous aurez plein de petites promos de chaussures, tout, de fringues aussi, ils font toutes les marques, tout, et vous aurez des promos pas mal, je sais pas pourquoi ça marche comme ça. Si vous cherchez là sur le PC vous trouverez jamais ces promos et sur l'application du comment dire, portable, enfin téléphone, vous aurez plein de petites promos. Alors là, je sais pas pourquoi, me demandez pas, je n'ai aucune idée. C'est une petite astuce qui vous permettra d'avoir des chaussures pas trop chères, voilà, enfin moins chères possible. Si vous cherchez une marque, tout, voilà. Il y a Adidas, Nike, il y a pas mal de choses. Si vous cherchez Yeezy, ils en ont aussi. Hop, après on va aller sur ce site-là. Alors celui-là est connu, c'est la boutique officielle, ça c'est très connu. Officiel, ils vendent pas mal de marques. Ou alors là, il y a des bonnes paires de chaussures, des bonnes petites paires de chaussures avec des bons petits prix. Par contre, là, c'est des petits prix vraiment sympas. Là, comme là, vous avez une paire là, Adidas basket à 69 euros ou de 100 euros, c'est pas mal. Ouais, là, il y a des bonnes petites paires de chaussures. Après, il faut pas s'attendre à chercher des grosses, comment dire, des chaussures assez rares sur ce site. C'est pas trop leur truc, mais il y a des bonnes petites paires sympas, des bons petits prix. Moi, je vous le conseille, la boutique officielle. En plus, les fringues aussi, c'est pas mal. Mais là, je fais surtout, je vous montre pour les chaussures, pour les baskets. Hop, après, on va aller sur ce site-là qui s'appelle Stock X. Alors, il y a beaucoup qui connaissent ce site parce que c'est un site en fin de compte qui vous permet de vendre vos propres chaussures, de trouver les vrais prix sans se faire arnaquer la plupart du temps, parce que c'est vrai que des fois vous allez sur des sites, il y a des prix exagérés, certains prix comme là vous voyez la Adidas Yeezy Boost, la 350 Static, elle a en principe elle a 225 euros, voilà, au lieu d'être à des prix de dingue. Après chaque personne peut mettre son propre prix, ça après la personne qui va le vendre elle pourra faire ce qu'elle veut, ça après. Il y a des paires qui sont très rares à trouver aussi, qui mettent les prix. Les prix changent aussi, vous voyez, ça peut monter, ça peut descendre. C'est pas mal, vous mettez le nom de la chaussure que vous voulez chercher, vous cherchez le prix. Et après, vous pouvez, si vous allez l'acheter sur eBay, par exemple, vous pouvez dire, montrer au mec comme quoi que sur StockX, elle est à tel prix, et le mec il sera obligé peut-être de baisser le prix. C'est ce que je fais moi des fois, pour avoir le moins cher possible. C'est comme c'est pas donné, comme je vous dis. Et là, je vais vous montrer un site qui est vraiment sympa. C'est pour protéger vos chaussures quand même. Quand vous achetez une Jordan comme ça, à au moins à 200-300 euros, ça serait bête de la salir. Et là, vous avez des protections qui sont pas mal, vous voyez. Pour des paires de Jordan, ils font d'autres marques aussi. Voilà, il y a surtout Nike, puis Adidas. C'est vraiment pas mal pour protéger vos paires. Ça serait bête de les salir, parce que vu le prix quand même.
C'est pas très excessif, c'est 38 euros. C'est 28 euros, 25 euros. Voilà, c'est pour protéger nos chaussures. Voilà, c'est le site, il s'appelle Sole Protector. Il est vraiment sympa. Moi, j'ai commandé une fois. C'est pour des. Pour des. Je crois que c'était. C'est pour des. Si je me trompe pas, c'est pour des Jordan. Ouais, c'était Jordan, ouais, je crois. Du Yeezy. Non, c'était plutôt. C'est pour des. Yeezy, voilà, c'était. Et j'avais commandé, nickel, tout. J'ai pu les protéger parce que c'est vrai que ça salit assez vite en dessous, ces paires-là. Voilà, c'était pour vous montrer les sites sympas. Si vous êtes fan de chaussures, de sneakers, comme moi, voilà. Si vous avez comment dire, des petites questions, si vous avez un doute sur une paire de. Comment dire. En basket, que vous pensez que c'est des fausses, vous avez qu'à m'envoyer tout, il n'y a pas de problème, les photos, tout, je mettrai un lien avec mon adresse et email, je vous dirai si c'est des fausses ou si c'est des vraies, si vous avez des doutes sur des paires, moi je les reconnais direct, de toute façon, et de toute façon je chercherai à savoir si c'est une vraie, tout sur le site même, ne faites pas, pour pas vous faire arnaquer, après que le problème c'est toujours pareil, on ne sait pas qui c'est qu'on a en face, si vous les achetez à part si les sites que je vous ai donnés, là c'est nickel, vous n'aurez aucun problème, c'est des vrais, tout. Par contre si vous achetez sur eBay ou sur d'autres sites, je ne dirai pas les noms, de toute façon moi je ne suis pas sponsorisé par aucun site, moi je commande où j'ai envie, je ne suis pas là pour choisir tel site ou tel site, moi j'achète mes propres chaussures avec mon argent à moi, voilà, je ne suis pas sponsorisé, bon. J'aimerais bien, mais je suis pas sponsorisé. Je fais attention à ne pas mettre surtout des fausses, parce que ça, j'aime pas trop. Il y a beaucoup de sites, enfin, il y a certains sites chinois, faites attention, ils mettent beaucoup de fausses en paire. Voilà, sur ce coup, je vous dis à plus. Ciao!